Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens faire un tirage pour simplement voir ce qui arrive à vous. Alors, voyons voir ce qui arrive à vous, ce qui va se débloquer pour vous. Qu'est-ce qui arrive à vous? Qu'est-ce qui va se débloquer pour vous? Ce qui arrive à vous, ce qui va se débloquer pour vous. Ce qui arrive à vous, ce qui va se débloquer pour vous. Alors. La labradorite, ça sera le trait numéro 3. La sélénite, le 2. Et mon cristal de roche, en 1. Ce qui arrive à vous, ce qui va se débloquer pour vous. Faites le choix de votre paquet. Tirage intemporel, vous pourrez le consulter quand vous le désirez et vous aurez une réponse. Même que je l'ai fait aujourd'hui, vous pouvez regarder dans 6 mois, ça vous parlera logiquement. Allez, on y va. On va faire le tas numéro 1. On va mettre ça sur les pétales de rose. Ce qui arrive à vous, durant les 3 mois, dans ou d'entre moi, il y aura de la jalousie. Alors, si vous êtes en couple, il y aura des tensions dans ce couple et de la jalousie qui va s'instaurer. Et malheureusement, vous serez en plein moment d'hésitation. Vous ne savez pas si vous allez rester ou ce que vous voulez faire avec lui, tout simplement. Attention de ne pas avoir fait quelque chose qui pourrait vous retomber dessus avec le boomerang. Hein? Maintenant, il est possible aussi que dans 3 mois, il revienne quelqu'un du passé vers vous. Et ce qui fait de la jalousie dans le couple actuel. Et là, vous serez complètement paumé. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Est-ce que je vais avec la personne qui arrive vers moi? Est-ce que je reste avec la personne auquel je suis actuellement? Ça va être ça. On vous dit, bah, attention, attention ce que vous faites, parce que si vous êtes en couple depuis un moment que cette personne revienne, vous risquez de mettre en péril votre couple. Attention, soyez vigilants, réfléchissez ce que vous allez faire. Ah, attention. Alors, la vigilance, le blocage, me fait penser que la personne qui arrive, je ne sais pas s'il va, c'est vraiment une bonne personne qui revient vers vous, hein, parce qu'elle risque de bloquer dans votre avenir. Et j'ai envie de compléter, parce que là, ça me paraît vraiment tangent. Hein. Pensez à votre couple, si vous êtes en couple, que cette personne arrive, ça peut tout foutre en l'air. Ah oui, peut-être vous allez être contente de le retrouver. Oui, certainement. Un conseil, s'il vous plaît. Alors, l'ancrage à la terre, ça veut dire vous connecter à Gaïa, aller marcher dans la nature pour peut-être, avant de prendre une décision hâtive, de retourner peut-être avec cet homme. Puisqu'on vous invite à la vigilance, on vous dit allez vous promener, réfléchissez bien sur votre problème avant de prendre une décision. Un autre conseil, s'il vous plaît. Alors, je pense qu'il faudrait travailler sur cette ancienne relation au jour d'aujourd'hui, parce que si ça arrive, pour pas que ça bloque le couple que vous avez actuellement, travaillez, étudiez qu'est-ce que vous avez eu avec lui, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous avez séparé, pour pas vous remettre dans une situation où
Vous allez mettre en péril le couple actuel pour aller vers cet homme ou cette femme, parce que ça pourrait vraiment vous emmener à une catastrophe pour moi. Hein. C'est dommage. C'est dommage. Parce que peut-être qu'il y a des choses à travailler. Si vous avez arrêté avec cet homme ou cette femme, il y avait une raison. Rappelez-vous de cette raison. Hein. Peut-être que, encore si on peut nous donner une carte de conseil. Alors, la patience. La patience, c'est peut-être que, admettons, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous en ce moment et que lui arrive. Ben oui, cette hésitation, vous n'allez pas savoir où vous allez. Ça vous fait plaisir de revoir cet ex. Mais est-ce qu'il vaut mieux pas patienter dans votre couple? Hein? Si vous n'êtes pas du tout en couple, c'est peut-être que vous espérez un retour d'un ex. Vous aimeriez qu'un ex vous revienne. Mais avec la carte vigilance et blocage, me fait penser, moi, que c'est pas une bonne personne pour vous. Il vaudrait mieux patienter et avoir quelqu'un de mieux que lui. Si vous espérez que cette personne revienne dans votre vie, pour moi, j'ai envie de vous dire, oubliez-le. Patientez qu'il arrive quelque chose de meilleur pour vous. Alors, comme c'est beaucoup de love dans ce tirage, hein, gardez espoir, vous voyez? Gardez espoir. C'est pas garder espoir pour lui, garder espoir pour une autre relation. Essayez plutôt d'avoir beaucoup plus de communication extérieure pour pouvoir trouver quelqu'un d'autre, hein, si vous n'êtes pas en couple. Parce que la personne qui reviendra vers vous ne sera pas la bonne personne pour vous. Hein? Elle vous a déjà fait sûrement souffrir auparavant et elle pourrait vous refaire souffrir avec le boomerang. Vous allez avoir le même schéma et reproduire la même chose qu'auparavant. Donc il ne faudrait pas être dans une relation comme ça. Maintenant, c'est un conseil. Je ne suis que messager. C'est vous qui détenez les rênes. Voilà pour vous. Le tas numéro 1. Allez, la sélénite pour le tas numéro 2. Alors, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ avec la mort. Est-ce que c'est la fin des mensonges? Ouh, l'adultère. Ouh, c'est du lourd là. Alors, c'est marrant, le tirage avant, c'était du love. Et là, on parle encore d'adultère, de relation qui est trompée. Hein, on a été voir ailleurs. Est-ce que vous pouvez faire confiance à la sexualité? Alors, pour moi, vous êtes dans une relation d'adultère où vous faites complètement confiance à la personne. Cette relation, pour moi, est basée que sur la sexualité, c'est-à-dire que la personne qui vient vous voir, elle est attirée par le sexe envers vous. Et en plus, dans cette relation, on vous dit pas tout. Voilà, c'est quelqu'un qui vous ment, qui cache des choses au fond de lui ou d'elle. La chance. Alors, si vous n'êtes pas dans ce couple que je vous ai annoncé, c'est peut-être ce que vous avez subi par le passé. Parce qu'avec la carte de chance qui arrive là, me fait penser qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver à vous. Hein? Vous allez un petit peu oublier ce passé douloureux pour vous projeter là, dans cet avenir. Et on va compléter bien sûr avec d'autres cartes. Voyez, la nouveauté, la créativité. Jeune femme décédée. Alors, il est possible qu'on ait des messages
d'une jeune femme, parce que là, ce ne sera pas un défunt pour la relation, parce que là, ça nous parle de relation. Je pense que c'est un homme et c'est une jeune femme, à moins que c'est un couple femme-femme. C'est une possibilité. Il y a des messages qui vont se faire. Mais pour moi, avec la créativité, c'est une nouvelle relation qui va se faire. Alors, est-ce que cette relation, elle n'est pas déjà dans vos amis? Hein, c'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà autour de vous, parce qu'il y a des amitiés qui sont là. Alors, pour moi, le couple qui arrive là, il y aura des échanges écrits qui vont se faire avant d'entamer ce couple. Hein. On va s'envoyer des textos, des messages ou des correspondances, peu importe, sur Internet. Je pense que c'est quelqu'un qui est déjà proche de vous, qui est dans vos amis. Et pour vous, ça sera complètement un renouveau. On passe à autre chose. Là, ça y est, on oublie ce passé qui était douloureux et on passe vraiment à autre chose. Est-ce qu'on peut lui apporter un conseil, s'il vous plaît? Oh, alors, le conseil, c'est moments chaleureux, passer beaucoup de temps ensemble, fonder un foyer. Hein? C'est, vous allez fonder quelque chose. Hein? Après ce renouveau, ça sera fonder quelque chose ensemble. Eh bien, je vous le souhaite que ça continue comme ça, dans cette relation qui arrive, qui arrivera à vous. Hein. Ça sera une belle relation. Allez, on va continuer quand même avec un petit peu de carte love. Vous serez attirés comme des aimants. Alors ça, c'est le départ, comme le nouveau départ, le renouveau qui était là. Il se peut quand même dans ce relation, peut-être que vous allez avoir des correspondances, à moins que vous y êtes déjà, mais ça m'étonnerait. Après, je vous le dis comme ça parce que ça pourrait arriver que vous êtes déjà dans cette relation qui était là avec la chance. On va mettre les cartes là-haut pour qu'on y voit mieux. Alors, où c'est tout ce que vous avez subi, hein, d'adultère, de trahison, c'était une relation liée à la sexualité, basée sur la sexualité. Là où vous y êtes dans cette nouveauté, ce nouveau couple, je pense que c'est un ami ou une amie, eux, proche de vous, où il y a beaucoup de correspondances, de messages entre vous. Ça vous apportera complètement un renouveau, ou ça va vous apporter un renouveau, et vous pouvez créer une famille, un foyer avec cette personne. L'attirance sera vraiment, voilà, l'aimant est là, ça le part, c'est une attirance, voilà, quand vous allez vous voir, vous allez être attirés tous les deux. Il est possible que dans cette relation, il y aura un petit temps de pause. Vous allez être ensemble, ça va marquer un arrêt, et après il y a un voyage. Alors, est-ce que c'est le voyage, le déplacement? Parce que peut-être que si vous êtes à distance tous les deux, ce sera le voyage pour vous retrouver. On va voir si on peut m'en donner plus avec la pause, parce que la pause, là, c'est les amitiés. Ou alors, c'est quelqu'un que vous avez déjà eu, créé un petit truc, vous êtes plus fréquenté, et puis il va revenir, cet ami, vers vous, et puis il y a un renouveau qui arrive, qui est là, comme je vous ai dit, et après, ça va être la bonne, vous allez pouvoir créer ou vous mettre ensemble dans une maison, parce que ça représente le foyer, la famille, ou créer une petite famille ensemble. Pas mal, il est pas mal ce tirage aussi. Ben, je vous le souhaite, écoutez. Voilà pour vous le tas numéro 2. C'est pas trop mal, même si vous avez souffert un petit peu au premier abord avec les anciens couples, mais là, c'est pas trop mal. Ce qui vous arrive, c'est quand même joli. Allez, pour le tas numéro 3, la labradorite. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Alors, si vous n'avez pas été trahi, vous aurez bien compris que vous pourrez être trahi par quelqu'un par rapport à l'argent. Ça vous fait peur. Vous avez des peurs et des doutes.
C'est votre femme sœur. Mais alors, les trois tirages, ça parle de relations. Alors, c'est quand même pas mal. On dirait presque que j'ai fait trois tirages sentimentaux encore. Donc, moi, ce que je vois, c'est de la trahison. Où on peut vous attaquer aussi par rapport à de l'argent. Hein. Alors, où vous avez prêté de l'argent, peut-être vous allez le redemander, vous avez peur de ne pas l'avoir, et là, vous allez être un petit peu agressé par rapport à ça. Mais ça peut concerner une relation que vous avez, peut-être que vous êtes prêté de l'argent, parce que c'est la flamme sœur. Je vais juste regarder, pas vous dire des bêtises. Alors, où elle est là? Voir celui-là, c'est pas classé dans l'ordre et c'est pénible. Alors, la flamme sœur, cela indique une rencontre ou un événement avec sa flamme sœur. C'est l'amour le plus fort qui existe au-delà de la sœur, de l'âme sœur. C'est pas l'âme sœur, c'est la flamme sœur. C'est encore plus fort qu'un autre amour. Alors, vous avez prêté de l'argent à cet amour et vous avez peur de ne pas le ravoir. Alors, dans 6 mois, pourquoi 6 mois? Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Parce qu'on a l'hiver et l'automne, ça fait 3 et 3, 6. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Beaucoup de commérages sur ça. Est-ce que vous allez être vraiment trahi? Non. Il y a la sérénité. Pour moi, il y a des on dit sur vous. Ça concerne quand même de l'argent pour moi. Je ne sais pas si vous avez prêté de l'argent ou vous devez de l'argent. Ça fait beaucoup de bruit autour de vous. Il y a beaucoup de commérages et de on dit. Il semblerait que vous allez quand même retrouver une sérénité. Un jeu d'hasard. Ah mince alors. Alors là, auquel cas, peut-être que vous avez peur de ne pas vous en sortir en argent. Peut-être qu'on vous a. Alors, ou vous avez prêté de l'argent, ou on vous a sollicité de l'argent, vous avez peur de ne pas le retrouver. Sur cela, il y a beaucoup de blabla autour de vous, hein, quand même. Moi, je dirais que d'ici 6 mois, alors si vous manquez d'argent, si c'est un manque d'argent, si on vous a pris de l'argent, ou on vous doit de l'argent, je pense que dans 6 mois, vous allez retrouver, avec le jeu d'hasard, c'est beaucoup de chance aussi, vous allez pouvoir récupérer cet argent. Mais ou vous allez la récupérer par la personne, ou vous allez gagner peut-être de l'argent à un jeu, c'est une possibilité aussi, parce que le jeu d'hasard, c'est le coup de chance. Peut-être que vous allez gratter un ticket et ça va vous combler cette perte d'argent que vous avez eue. Alors, on vous dit, vous inquiétez pas, gardez espoir. Oui, je pense que vous allez avoir un problème lié à l'argent. Il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous avez prêté comme je vous ai dit, ou vous attendez de l'argent. Vous vous sentez quand même trahi par ces événements. Peut-être que vous devez récupérer de l'argent, mais c'est très long, vous avez peur de ne pas la récupérer. Il y a quand même la flamme sœur, un amour fort qui est là au milieu. Alors, est-ce que c'est à lui que vous avez prêté de l'argent? Et vous avez quand même peur de ne pas récupérer cet argent. Moi, je dis que dans les 6 mois, même si ça va faire du bruit autour de vous, il y aura des on-dit, vous allez retrouver une sérénité, ou récupérer par cette personne cet argent, ou vous allez les gagner. On vous dit, ne vous inquiétez pas, gardez espoir. Gardez espoir. Faut pas perdre espoir. La peur, vous, c'est de ne pas retrouver cet argent, mais vous allez la récupérer même si c'est pour moi un peu long. Et là, c'est l'amour. Il y a une histoire de peut-être que vous avez. Alors, les liens forts, ça peut être en amour, mais ça peut être une personne vraiment que vous adorez. Vous avez prêté cet argent
à quelqu'un qui faisiez 100% confiance, mais vous avez des doutes sur le retour de cet argent. Vous avez le retour sur cet argent. Et pour moi, si vous n'êtes pas en couple, il y a des rencontres qui vont se faire. Alors, on a les deux possibilités. Un amour très, 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 très fort et un amour encore plus fort. Ça, c'est très très fort, et là, celui-là, c'est encore plus fort. C'est vraiment, on est attaché vraiment l'un et l'autre, une attirance vraiment importante. Voilà pour vous. Ben écoutez, ça parle encore que de love, on va dire, hein, pratiquement. Bon, il y a l'argent aussi dans ce tirage. Vous êtes en période de chance, hein. Alors, il y a une situation. Peut-être en couple, si vous y êtes, qui procure des tensions et des disputes. Est-ce que vous avez été blessé justement par cette personne? Est-ce que la trahison qui était là, c'est des blessures qui sont là dans ces cartes? Hein? Est-ce que vous avez peur si c'est cet argent que vous lui avez prêté qui vous rend pas cet argent ou vous, il ou elle rend pas cet argent? Ça procure quand même un malaise dans votre couple. Hein. Alors, pour certains, si vous n'êtes pas en couple, c'est parce que il faut penser vos blessures. Vous voyez, penser, c'est le pansement qu'il y a là, vos blessures liées à une relation du passé qui est là. Il faut vraiment tourner la page. Si vous voulez avoir votre chance en amour, parce qu'on parle d'amour, c'est les cartes là, il va falloir vous enlever la personne que vous avez dans la tête. Vraiment faire une croix sur ce passé. Il faut vraiment tourner la page. Hein? Si vous voulez. Vous y mettez du temps, hein, parce que les cartes, l'escargot qu'on me fait voir avec la page à tourner, ça fait un moment où vous n'arrivez pas à l'oublier, cette personne. Il faut vraiment tourner la page. Pour pouvoir, avec le champignon, c'est la pousse, c'est la germination de quelque chose. Si vous voulez, ça me parle là, si vous voulez vraiment créer un nouveau couple, si vous n'êtes pas en couple, il faut vraiment chasser de votre tête tout se passer pour pouvoir arriver à pousser avec un nouvel amour. Ça va se présenter, mais si vous oubliez pas cette personne, ça va être compliqué, hein. Il faut vraiment vous enlever ces blessures. Tournez la page sur cette personne qui est liée au passé. Voilà pour vous le tas numéro 3, le tas de la labradorite. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite de trouver un bel équilibre en amour et un nouvel amour si vous ne l'avez pas. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Si vous avez été blessé par le passé, il faut tirer un trait sur cette relation. Si ce n'est pas fini, ben malheureusement, il faut y mettre un terme parce que ça vous procure des tensions et des disputes pour vous donner la chance d'accueillir cet amour qui est là. Je vous embrasse à tous. Portez-vous bien. À bientôt.